Salutations à toutes et à tous, c'est Gérard le Génie. On se retrouve pour un tout nouveau Let's Play, vous le voyez bien, c'est celui de Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit, sur 3DS. Alors, petite intro rapide, le jeu était sorti sur PS2 en 2006 si je me trompe pas. C'était la première fois qu'un Dragon Quest sortait en Europe, et de plus localisé en français. Donc c'est à peu près avec 11 ans d'écart qu'il revient enfin sur 3DS pour un remake, 2 ans après la sortie japonaise il me semble. On va parler rapidement des différentes nouveautés qui seront présentes sur cette version 3DS. Par exemple, il y a un mode photo qui permettrait de prendre des photos pour les échanger dans Street Pass. De nouveaux personnages vont se joindre à l'aventure, Ruby et Mori. De nouvelles cutscenes pour étoffer un petit peu le scénario apparemment. Les combats aléatoires vont être retirés, on verra enfin les monstres aussi sur les maps. Et pour finir, normalement il y a le mode accéléré pour pouvoir accélérer tous les combats. Voilà voilà. Alors j'ai eu l'occasion de faire le tout début sur PS2 il y a très longtemps, du coup j'ai aucun souvenir, pour moi ça va être totalement une redécouverte de l'aventure. Et vous, de votre côté, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait l'aventure? Si oui, même avec ces nouveautés, est-ce que ça vous tente justement de refaire l'aventure? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, je pense qu'on a assez parlé, on va se relancer tout de suite dans l'aventure parce que j'ai hâte de découvrir ce que vaut ce jeu. Donc créer un nouveau journal. Ah, on a que 2 slots de sauvegarde. Installer son petit nom. On a droit à beaucoup de caractères ou pas? Non. J'ai droit à un caractère de plus, donc on va laisser ça. Ouais. C'est quoi cette bestiole? Ah ouais, c'est vrai, il est accompagné d'un animal, on va dire. Il est trop mignon. Franchement, la réalisation est pas mal, hein, j'aime bien. On voit une petite différence quand même avec le 7. Oh! Trop mignon. J'avais totalement zappé ça, quoi. Oi, Gav! It's gonna get dark if we hang about here much longer. Let's head into town. There's better places than this to spend an evening. Alors, je sais pas en fait si à la base sur PS2 il y avait les voix anglaises ou les voix japonaises, mais je m'en rappelle plus du tout pour vous dire. Et justement, là vu qu'il y a des voix anglaises, est-ce que vous préférez justement les voix anglaises ou les voix jap, si pour ceux qui ont découvert les voix jap justement? Shake a leg, Gov. Ah, il me demande de bouger carrément. C'est pas mal quand même. J'aime bien comment c'est fait. On a le fameux petit parler. Objet, ok. Je suis déjà équipé, ça c'est cool. J'ai une carte du monde. Et utiliser la carte du monde me permet de l'afficher, c'est tranquille. On fouille un petit peu le menu, hein, bien sûr. Sort de pas être dépisé. Oh, trop cool! Je suis entré dans le menu équipé et j'ai justement. Ah! Il change carrément de sens. C'est bien détaillé, j'adore. Moi, j'imagine que au niveau des vêtements et tout, ça va pas trop changer. Magie, rien. Et on a un petit journal de bord.
avec toutes les infos dessus. Chose intéressante en fait, avec la croix directionnelle, ça me permet justement de bouger un petit peu la caméra. Et ensuite, je me déplace avec le joystick. Et je peux appuyer sur L et R pour déplacer la caméra de côté latéral. De côté latéral, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Moi ça manque les gifles dans les tonneaux, ça me rend. I've probably said it before, but it beats me how you ended up working for an old codger like him. Not that I can talk, though, eh? Guess people say the same thing about me. Working for you. Who's codger? I do hope you're not referring to me. What would you know? A lowlife like you wouldn't recognize nobility if it came up and bit you on the ah. Enough dilly-dallying. Where's the princess? I can't see her anywhere. Oh, dès le début des combats. Uh-oh, here comes trouble, Gav. Ah, ça change totalement de Dragon Quest 7. Je me rappelle le premier combat, il m'a fallu une heure de jeu à peu près. Ah, je peux intimider. Vitesse. Attendez, et ça sert à quoi tout ça? Intimider, ça fait quoi? Oh, mais non, sérieux? Mais non! Eh, c'est trop cool! Et vitesse? Ah, ok, d'accord. On a soit la normale, on va mettre en normale pour l'instant. Suivre les ordres. Le petit problème combat qui s'explique facilement. But nothing we couldn't handle, eh? Now, where's the princess? Where's my Medea? My precious one and only daughter. Directement dans ma tête, j'ai été méchant, je me suis dit, si sa fille le ressemble, elle serait pas gâtée. You're safe, my dear. Ah! Quelque chose me dit qu'ils ont été transformés en fait, ça va. Enfin, je sais plus du tout si c'est ça ou pas. I say we make a move now, before it gets dark. En fait, franchement, au niveau de la réalisation, les cutscenes et tout, c'est agréable. Genre à plusieurs moments, on se retrouve spectateur et on prend le temps d'observer un petit peu les scènes qui nous sont proposées. Franchement, et en plus, je trouve ça vraiment beau en fait sur 3DS. J'ai envie d'activer la 3D et tout, mais... Ça donne envie en tout cas. Pour ceux qui auraient encore les souvenirs de la version PS2, est-ce que vous voyez des grosses différences ou pas? Parce que moi je découvre et je me trouve ça beau quoi en fait pour un jeu 3DS et tout.
Oh, la maison qui a brûlé? Yes, here we are. If my memory serves me correctly, this is the place. This is the town where Master Rylus lives. How's your horses, Grandad? I thought it was Dalmagus we was after. I am not your Grandad. And of course Dalmagus is our man. He's the one who turned Medea and I into such laughing stocks. But that dastardly magician can't hide from us forever. We must track him down and lift this confounded curse. Oh, just look at my poor Medea. And we'd only just settled on her engagement to the Prince of Argonia. Oh, that despicable Dalmagus. That's why it's imperative we locate Rylus. Will you go and find him? J'ai envie de lui répondre non, ne serait-ce que pour l'embêter un peu. Vas-y, on va faire ça. You see? Rylus is the very man who taught Dalmagus his meddlesome magic. There's every chance he'll be able to give us a clue as to the whereabouts of that evil rogue. That's why you must find him. I'll be waiting for you here. Ok, Dalmagus serait alors dans cette ville. I suppose we better do what he says. Should we get going then, Guff? Ah, il m'a rejoint? Ok. Le mec, il est choqué. Oh, le mec, il a fui direct! Reviens! Oh, c'est quoi ça? Attends, je vois même pas sa tête au pauvre chat. Ah d'accord, il a les yeux fermés. Et ouf, en fait, je suis en train de m'extasier, mais la ville, elle est agréable. Il y a un truc par terre, ça ressemble tellement à une mini-médaille, j'ai tellement envie de le ramasser. Ah, non, j'ai pas de quoi acheter des objets. Oh, les boomerangs. Les boomerangs, c'est tellement la vie. Boomerang plus fouet. Le truc idéal pour pouvoir farmer. Bon, c'est pas tout, mais j'ai cru voir une porte à l'arrière, là. Et surtout, j'ai vu deux coffres. Ah ah! Oh, sérieux? C'est verrouillé. Les deux sont verrouillés. C'est pas cool, ça. Sauvegarder. On a quoi ici?
à la taverne. Ah. Porte verrouillée, bien sûr. J'allais dire, tu peux pointer par la fenêtre. Herbe médicinale. Ça fait trop bizarre en fait de voir l'animation du mec qui rentre chez toi, tu vois. Enfin, ce qui rentre chez un vieux surtout, et qui est en train de péter des vases comme ça. Même pas, tu peux lire. C'est bien en fait, ils mettent un petit icône pour te dire qu'il y a moyen justement de faire une animation. Ah d'accord, y a rien. C'est marrant. C'est beaucoup plus interactif et comment dire, signalé surtout. Par exemple pour les portes, on sait qu'on peut appuyer sur A parce qu'il y a un petit point d'exclamation. Pareil pour les trucs, tu peux fouiller et tout. On va fouiller un petit peu avant. Un nouveau serveur. Effectivement, je crois que je suis pas rentré sur la bonne porte. Ah oui, alors sans trop spoil, pour ceux qui auraient justement fait celui-ci sur PS2 à l'époque, quelque chose comme ça, à fond bien sûr. Est-ce que vous avez des infos sur le fait de récolter les mini-médailles? Est-ce qu'il y en a qui sont manquables, quelque chose comme ça ou pas? Histoire que je sache si je dois me concentrer dès le début à fond sur les mini-médailles et l'exploration. Parce que j'avoue que ça m'embêterait un petit peu maintenant que je comprends l'importance des mini-médailles, enfin, du côté collectable, de les rater. Oh! Munchie, il s'appelle. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est pas mal ça. Mais justement, j'ai pas encore accès à l'attention. Sujet brûlant. Tu parles d'un incendie. Et bah alors papier, on oublie. Ouais. Oh non. Je commençais à m'en douter un petit peu quand il parlait d'un gars qui était mort, enfin le vieux devant la fontaine parlait d'un gars mort. Je me disais, ce serait vraiment bête que ce soit Rylus. Oh. Haven't you had enough, Mr.
to call the Russia cell. I'm sorry, but I've got a business to run. This haphazard fortune telling of yours is costing me a fortune in free drinks. What? My fortune telling? Haphazard? Are you a complete fool? Let me tell you something for free. All fortune telling is haphazard. What do you expect? Anyway, so what if I saw it? So what if I foretold the fire? If I tried to stop it, then what? It would only have led to another disaster. That's what. I'm sorry, Mr. Kodarasha, sir. I don't follow. If you're saying you knew about the fire, shouldn't you at least have warned Master Rylus? Yes, poor Rylus. How many times I argued with the old man. I cannot believe he's gone. Il a l'air d'être grave triste quand même, en fait. Genre, on dirait que c'était des potes un peu rivaux, mais potes quand même, quoi. Le mec a fui. Mais non, il parle pas du vieux quand même. C'est pas cool si c'est lui. Comment il veut que j'y aille ? Ouais, c'est ça, ils font de l'animation qui est autour de... du pauvre vieux. J'ai déjà oublié son nom. En tout cas, Yangus est à côté de lui, donc ça va aller. Ah non, même pas. Look at me. Ça se fait tellement pas. Alors ça c'est un coup bas ça. Alors que j'ai senti la même panne au tout début. Ah non! Tu m'étonnes. Roi Trod, c'est un roi en plus. Ah bah oui, forcément. S'il parle de princesse. Judging a book by its cover, don't they know it's what's inside that counts? Yeah, you can say that again. So then, did you manage to find Master Rylus? What? He's dead? Oh no, no, no! Well, I
suppose there's no point crying over spilt milk. It's Doremagus we're after. He's the one who cursed the princess and I, after all. He's the one who made us look so ridiculous. I had hoped Rylus might be able to help us locate him. But it seems we'll just have to track Doremagus down by ourselves. With Rylus gone, we have nothing further to gain from staying here. Let's be on our way. Oh, on perd pas de temps. Please wait. Ah, c'est qui? I'm sorry to come running after you like this. It's just that I wanted to ask you a favor. Mention spéciale quand même pour l'accent. Are you not afraid of me, young lady? I dreamt about you. I dreamt that some people came to town with a strange creature. It was sort of halfway between a human and a monster. Oh, pareil, toujours par curiosité. Est-ce que c'est les mêmes voix que la version PS2, justement? And I dreamt that they could make wishes come true. J'ai bien aimé l'animation, c'était sympa. I'm so sorry. I didn't mean to be rude. Not to worry. I've had worse things said to me today. You know, you remind me of my Medea. You're about the same age. Anyway, you say you had a dream about me. Most peculiar. I'm sorry. I haven't even introduced myself. I'm Valentina, daughter of the great fortune teller. Peut-être qu'elle a vraiment du pouvoir médium. If you could just come to my house, I'll explain everything there. It's by the well, at the far end of town. I'll be waiting for you. What was she rabbiting on about? Come round my house, she says. Magnificent! She wasn't afraid to look at me at all, not one bit. Oh, she reminds me of my Medea. We must give this young girl a helping hand. Right then, my boy. Go and find the house by the well and see what it is she wants. Hmm? Me? I'll wait here with the princess. Oh, carrément. We don't want to cause any more of a stir. C'est un peu naze pour lui, mais ouais, c'est un peu la meilleure des solutions, j'imagine. Par contre, j'ai pas fini de visiter. C'est quoi ça? Ah, je peux discuter avec le bouton Y. Ça va, tranquille. Je suis dans une auberge et je suis en train de fouiller dans certainement ce qui ressemble à une tirelire. Mais vraiment, ce détail d'animation, c'est ouf. C'est grave sympa. Ça rend tout, en fait, tout ce qui est gestuel, un petit peu... Ça donne une vraie immersion, en fait. Parce que tout reste cohérent, au final. C'est pas un magasin d'armure? Ça ressemblait tellement à un bouclier. Non.
En fait, le problème avec les villes 3D, c'est que j'ai tendance à me perdre facilement. Parce que depuis tout à l'heure, je me dis, est-ce que je suis rentré dans l'auberge? En réalité, non. En tout cas, pas de ce côté-là. Oh! Genre complet, ça veut dire qu'il y a vraiment du monde. Et t'es en train de voir des gens qui sont en train de dormir dessus. Oh, une aile de chimère, ça c'est cool. Il s'agit d'une revue trimestrielle appelée Le Roi de l'Aventure. Vous vous préparez à entamer votre premier voyage dans ce monde merveilleux qui est le nôtre. Voici un conseil pour vous. Explorateur en devenir. Lorsque vous voyagez, n'oubliez pas de regarder dans les endroits les plus inattendus. Des coffres au trésor vous y attendent peut-être. Qui les a laissés là? Peu importe, dans le monde impitoyable des aventuriers, c'est celui qui les trouve qui les garde. Considérez-les comme des cadeaux divins de la grande déesse. Déposez-la à votre seule intention. Quoi qu'il en soit, ces coffres renferment souvent des butins intéressants. Ouvrez l'œil et restez sur le qui-vive. Un bâton de cyprès. J'ai bien fait de rien acheter. Il s'agit d'un hors-série de la revue trimestrielle appelé Le Roi de l'Aventure. D'habitude, une fois le contenu d'un coffre trésor récupéré, il n'y a plus qu'à tourner les talons. Mais peu de gens savent qu'il existe dans ce monde certains coffres dont le contenu réapparaît mystérieusement. Qui donc les remplit à nouveau? En fait, personne ne le sait vraiment, mais certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une fée très généreuse. C'est marrant ça! C'est la première fois que dans un Dragon Quest, on peut rouvrir les coffres? Une bague dans un puits. À retenir ça. Bon, tout ce qui est rez-de-chaussée, j'ai l'air de l'avoir fini. Et j'ai pas encore eu l'occasion de rentrer dedans. Ah, c'est elle qui s'en occupe. Ah, c'est bien, je vois directement le nombre de points d'expérience qui me manque. Ouais, ça je sais. Ils sont assez fermés sur cette histoire.
le grand sorcier arriva enfin à Lantania, après un voyage long et éprouvant. Accueillir un si grand sage dans notre ville est un honneur incommensurable. Que le sage et ses descendants restent le plus longtemps possible à Lantania. Hurrah ! Oh ! Ah tiens, un couvercle de tonneau. Attends, genre là je peux voir la ville, enfin pas la ville mais le paysage au loin quoi, c'est agréable. Ah voilà, il y avait un petit quelque chose. Une recette de clé. Ah, c'est vrai qu'il y a l'alchimarmite dans ce volet. C'est la première fois que ça apparaît en plus, si je me trompe pas. Du coup, les clés me permettraient d'ouvrir ces coffres-là. Par contre, la marmite, il me semble pas être l'obtenir dès le début. Loin de là, non. Comment ils font sans le puits? Ah, c'est pas mal ça. Je pense que ça sera mieux que le couvercle de tonneau. Bon, je crois que c'est la seule maison que j'ai pas vu découvrir. Elle dort ? Elle me demande de venir, mais elle dort. Ah, you came. I'm so sorry. I must have drifted off. How rude of me. I wanted to ask you a favor about this crystal ball. Tu m'as pris pour Son Goku, en fait. Sorry, I'm getting ahead of myself. Perhaps I should start from the beginning. Ouais, ça serait cool. Was once a really famous fortune teller. Lost treasure, missing people. There was nothing the great Kaldarasha couldn't help people with. But then one day, he lost his powers. All of a sudden, nothing he foretold turned out to be true anymore. It's probably because he stopped using a real crystal ball. This glass ball isn't... Valentina! What is going on here? J'ai pas fini de fouiller la maison. How many times me vire pas, s'il te plaît. Not to touch my crystal ball. What? Aren't you that boy from the pub? What brings you here? Ah, never mind. I do not know what my daughter has asked you, but you can forget it. I do not need your help. I am fine as I am. I am going to bed. Valentina, say your farewells and show our young visitor to the door. Non, laisse-moi fouiller. I'm sorry about my father. But whatever he says, he's the one who's really suffering since he lost his powers. That's why I wanted to ask you this favor. Can you find him a crystal ball? One that's big enough to bring back his powers? Non, vas-y, on va arrêter avec les noms. Really? You will? Oh, this is exactly how it all happened in my dream. So far, everything's come true. I also dreamt that there's a crystal ball hidden deep inside the cave, under the big waterfall to the south of town.
Ah, ça va être notre premier donjon en fait. I suppose only the daughter of the great Kaldarasha could know a thing like that. Faut dans la caverne de la grande cascade, on retient bien. On va fouiller un petit peu pendant qu'il dort le mec. Comportement des monstres. Après avoir consacré de très longues années à la recherche sur les monstres, je suis arrivé à une conclusion surprenante. Il semblerait que les monstres nocturnes soient bien plus forts et bien plus violents que leurs cousins diurnes. C'est une découverte incroyable. Maintenant, je dois redoubler d'efforts pour percer le secret de la biologie des monstres. Ok, donc j'imagine que si je voulais level up, ça sera certainement avec les monstres de nuit. Bon, du coup, on a notre premier objectif. Y a personne en plus. Ah. Bonjour les petites chars. Ok, au revoir les petites chars. Ça servait strictement à rien ce que j'ai fait. Magnificent! Such devotion to her father. I'm impressed. Just how a daughter should be. And if this Kaldarasha gets his powers back, there's nothing he can't find, am I right? Then we'll kill two birds with one stone. If everything goes according to plan, we'll find out where that hateful Dulmagus is. The time's getting on. Medea and I will stay outside. That's the last time we set foot in a barbaric town like this. But you should spend the night at the inn and rest well, so that you're ready to take on the world tomorrow. In the morning, we leave for the waterfall cave. Oh. C'est bien ça. La nuit qui paye. Un peu. On va remonter l'étage avant.
Comme si Médéa a eu le choix. Donc la petite sauvegarde avant d'aller démarrer directement le donjon.